tout cas, on aura bien mangé, nous, avec tous ces petits oursons. Hey, attendez, regardez par là. On dirait un chevalier. Qu'est-ce que vous croyez? On devrait lui parler? Bon, on n'a rien à perdre. Hein. Oh là, mon brave, qu'est-ce que vous faites planté là? Oh, trois fois rien. Si ce n'est que ces maudits grôles m'ont volé une statuette de grande valeur. On peut sûrement vous aider. Elle ressemble à quoi cette statuette? Bah, elle est assez grande et incrustée de rubis. Mais ne vous en faites pas, on va aller la chercher pour vous, votre babiole, si c'est que ça. C'est vrai? Vous feriez ça vous deux? Je vous préviens, la caverne est infestée de grôles. Les grôles, c'est pas le plus dérangeant. Tenez, mettons qu'il y ait plusieurs statuettes de volée. Qu'elles soient toutes de la même taille, de la même couleur et qu'elles se ressemblent. Comment on fait pour savoir laquelle est la bonne? Vous voulez dire identique, quoi? Il manque quoi? De quoi il manque quoi? Ah, je sais pas, moi, c'est à vous qu'il manque quelque chose. Oula, vous avez pas l'air d'être des flèches, vous. Bon, bah, ramenez-moi en une et je vous dirai si c'est la bonne. Allez, venez. On n'a peut-être pas de flèches, nous, mais on va leur montrer de quel bois on chauffe. Oui, c'est pas faux! Ah, bah tenez, je vous avais dit que l'entrée de la grotte était pas bien loin. Ouais, c'est pas faux. Mais vous y voyez quelque chose, vous, là-dedans? Bah attendez, je suis en train de me rapprocher et je vais vous dire ça. Alors apparemment, il y aurait des torches, mais je vois pas mal de grolles à l'intérieur. On fait quoi du coup? Bah maintenant qu'on est là, autant y aller. De toute façon, c'est pas un gros loup deux qui me fait peur. Ah, mais c'est une vraie infection là-dedans. M'en parlez pas. Ça me rappelle chez moi au village quand j'oubliais de fermer la porte des toilettes. Ouais, mais là c'est tout de même pas pareil, regardez. Il laisse même traîner des sacs de bouffe par terre. Non, mais je vous le dis, moi, c'est pas du boulot, ça. En plus, ils sont recouverts de boue. Regardez celui qu'on vient de dézinguer. Mais attendez, c'est pas croyable ça, mais ils connaissent pas le savon ou quoi? S'il y a bien une chose que je supporte pas sur Terre, moi je vais vous le dire, c'est bien les mauvaises odeurs. Ouais, moi c'est la montagne que je supporte pas. Quand je suis à 100 mètres au-dessus de la mer, je commence par avoir la tête qui tourne et après, boum, je m'écroule d'un coup. C'est radical. Bon, on fait comment du coup pour trouver la bonne statuette? Il avait dit qu'elle était comment déjà? Avec des grandes oreilles et sorties d'émeraude. Ah oui, je me souviens maintenant que vous le dites. Vous trouvez quelque chose, vous? Bon, non, rien qui corresponde. Il y a bien une statue là, mais alors déjà, elle n'a pas de grandes oreilles. Et en plus, les émeraudes, c'est vert, tandis que là, regardez, c'est rouge. Si vous voulez mon avis, c'est de la pure camelote ce truc. Ou alors, les grolls ont la vraie statue. Ils ont mis celle-là pour faire diversion. Comme ça, les pigeons prennent celle-là qui n'a pas de valeur, et ils ont toujours la bonne. Ouais, ou sinon, ils mettent la bonne statue devant nous, ils pensent qu'on pense que ce n'est pas la bonne, et comme ça on est marron. Ah ouais, pas con. S'ils croient qu'on va se faire troller par des grolls, c'est vraiment nous prendre pour des bleus. Sinon, on ressort et on lui demande une description plus détaillée de la chose. Ouais, vous avez raison. De toute façon, là, je commence à avoir une de ces gerbes. Si je reste une minute de plus dans cette grotte, moi, c'est tout mon dîner qui va ressortir. De toute façon, si même un chevalier arrive pas à retrouver sa statuette, je vois pas comment nous, on aurait pu faire. Chevalier, chevalier, c'est ce qu'il dit, ça. Ça se trouve, c'est un pécore comme nous qui a subtilisé les habits d'un chevalier pendant qu'il dormait. J'avais pas vu ça comme ça, moi. À force de se faire prendre pour des cons, il va nous en arriver des choses, je vous le dis, moi.